Bah je me vois pas en fait. Ah ouais? Là, c'est bien. Comme ça, si je pose comme ça, c'est... Tu m'as saoulé. Oh putain. Enfin, mannequin challenge. Quoi? Mannequin challenge. Un quoi? Mannequin challenge. Mais faut défiler ou juste... 1, 2, 3. T'as déjà perdu. Bon allez, salut les gars, c'est Eko avec Nini. On est clairement... on est là, tu vois, t-shirt ta gueule, pyjama, y'a rien qui va, tu vois. Mais c'est bon, on a des mandarines pourries. Elles sont vides. Comment ça, elles sont vides? Bah, elles sont pleines d'air. Ah ouais, enfin bref, elles sont pourries, quoi. Bon, on se retrouve pour une vidéo qui a rien à voir avec... avec les bagnoles ou quoi, pour une fois. Ça va voir à nous, en fait. Et puis, en même temps, ça va nous... Ça va permettre un peu que... Putain, je sais pas parler, merde! Ça va permettre que... Putain, mais ça veut pas dire, ça va permettre que... Ça va permettre que vous nous connaissiez un peu mieux. On n'arrive pas, hein. Mais l'idée est là, t'as compris. C'est bon. En gros, voilà, c'est pour que vous puissiez nous connaître un peu mieux, etc. Enfin, c'est même pas pour ça, en fait, c'est pour nous, voir si on se connaît aussi déjà. Bah, déjà. Alors, on vous explique, c'est simple, on va avoir 20 questions, donc on s'est trouvé 20 questions chacun à se poser. Ouais. Je fais bien la pause, hein. Oui. On s'est posé 20 questions, va falloir simplement y répondre bien. En fait, l'idée d'avoir le plus gros score, hein, enfin t'as compris l'idée. C'est très simple comme concept, je pense qu'il y a un million de personnes qui l'a fait. On l'avait déjà fait, nous à l'époque, pour nous, au tout début de quand on s'est mis ensemble, en fait, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, wesh. Merde. Ah, les combes. Pour savoir qui commence, moi je vais me poser là. Ah, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Moi, je veux pas voler. Non, pour savoir qui pose des questions en premier, sachant qu'il y a 20 questions, donc en fait, mon idée étant de les faire à la suite, en fait. C'est-à-dire, en fait, elle pose ses 20 questions, j'y réponds. Je pose mes 20 questions, elle y répond plutôt que faire un par un. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. En un. Ah, comme en ça, un. Ou je peux on faire fait comme genre, les enfants? On fait comme ça, on fait un, deux... Mais je peux faire, moi, comme les enfants. Bon, on fait comme les enfants. Ouais, parce que moi, j'ai... En fait, j'ai... Ça, parce qu'en fait, tu arrives pas... Parce que je vais rester en caillou tout le long. Ça me perturbe, et puis je vais faire un pistolet, ouais, ben, bref, faire comme les bébés. Bon allez, en 1, pierre, feuille, ciseaux. Ah bah t'as gagné. Bah, tu choisis qui commence. Tu veux commencer à poser des questions, mais ou tu veux que je commence à te poser des questions? Ah je sais pas, bah vas-y toi tu commences à me poser les questions. Moi je te pose des questions. Je sais un truc par contre. C'est que, putain, si le chat il fait tomber le trépied, je vais le tuer. Ah grave, oh putain. Tes questions, je pense que ça nécessite beaucoup plus de réflexion que moi. Genre, faut vraiment que je réfléchisse et tout, tu vois. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est pas genre du tac au tac. Il y en a peut-être quelques-unes. Je veux tuer ton chat. Ouais. C'est simple. Oui. Ah, je m'en vais. Je l'ai balayé. Première question. Je suis plutôt t-shirt, chemise ou polo? Facile. T-shirt. Très facile. Mais note à côté, tu mets la note. Ouais, je mets... On va faire comme ça, regarde. Combien j'ai eu de voitures à mon nom? À ton nom? Ah oui. Attends. Attends. Cite pas tout. Non, non, dis-moi mais... juste. Ouais, réponse. Non, mais attends. À ton nom. Genre, il y a ton nom écrit. Genre, la carte grise. L'assurance, la carte grise, elle est à mon nom. Oui, mais deuxième conducteur, ça marche aussi ou pas? Ah, la voiture est à mon nom. C'est facile comme question. Ton nom, mon nom. C'est vrai que j'ai 50 noms, mais t'es con ou quoi? De toute façon, quand une voiture est à ton nom, il y a ton nom et ton prénom sur la carte grise. Ouais, mais si elle est le nom de ton père, il a... Mais ça veut dire que la voiture, elle t'appartient à toi. Mon père, c'est pas moi. Bah... Genre, demain, cette voiture-là, je me prends une amende par un flash, et voilà, il regarde, il tape la plaque, il voit que c'est ma voiture. C'est pas compliqué comme question. Deux alors. Et lesquels? Selon toi, hein. Le P3. Ouais. Et la S14. Eh ben non, mauvaise réponse. Elle est au nom de ta mère, la S14? Elle est aux deux noms. Bah alors, ça marche aussi! Bah, c'est elle la principale. Non. Mais tu te fous de ma question? Je t'ai posé la question, je t'ai dit quand t'es en deuxième conducteur, est-ce que ça marche? C'est pas deuxième conducteur, c'est deuxième propriétaire, c'est pas pareil. Ouais, bah nique ta race. Donc la réponse est fausse. Regarde. Ouais, moi aussi, mais attends. Regarde, tu quand t'as faux, j'ai mis un smiley mort de rire. Thank you.
Mon parfum de glace préféré. Là. Attends, là, t'as deux choix possibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choix possibles. Tu donnes un des deux choix, t'as raison. Hein? Tu manges pas de glace? De la glace? Bah, vanille, chocolat. Non. Vanille. Non, mais t'as juste, si tu dis vanille, par exemple, t'as gagné. Bah, le deuxième choix, t'es stracciatelle. J'adore, c'est trop bon. Toi, tu rigoles? Ouais, non, mais alors, c'est... Non, mais c'est... Est-ce que tu te fous de ma gueule, là, par hasard? Mais c'est trop recherché. Bah non, mais t'as réussi, alors tu devrais te dire merci, ouais, j'ai gagné un point. Merci, j'ai gagné un point. Quatrième question. Depuis combien de temps... Ah, celle-là, par contre, c'est dur. Elle est très dure, celle-là. Faut que je compte. Oui. Depuis combien de temps... Oui. N'ai-je donc... Je le dis comme ça, je l'ai pas écrit comme ça. Je l'ai pas écrit comme ça. Hein. Depuis combien de temps n'ai-je donc pas fait d'airsoft? Un an et 6 mois, ça fait combien de mois? Ça fait 18 mois? Ouais. Bah c'est ça. Moi j'ai compté 17 mois. C'est bien, hein? Hop, non. Putain. Alors, je n'ai pas écrit le français, mais c'est pas grave. Quelle réplique d'airsoft me reste-t-il? Bon, on va refaire la question. Combien de répliques il me reste? Une. Deux. En tout, tout confondu, je veux dire. Hein. Deux. 3 2, 3, 6 J'ai peur de me tromper. Bon, enfin, faut que tu te trompes. 2 2, tu dis ton dernier mot, Jean-Pierre. Non. Je déteste, en fait, je pourrais jamais faire qui veut gagner des millions. Ah, non. Je serais là. C'est mon dernier mot. Non, je sais pas. Bon, bah... Non, mais vas-y, je vais dire 2. Hein. Mais il me reste 3. Ah, j'allais dire 3. Il me reste 2 PA et une. Ah, 2 PA! Il est où le deuxième? Je l'ai pas vu, j'en ai pas vu la couleur. Hein. Bah, j'ai le. Si, j'ai 2 PA, c'est 2 Glock. Mais il y a juste le Nini, celui où Charlie il a fait le truc et c'est tout. Hein. Ouais, il y a l'autre que. Mais lequel? Celui qu'il avait avant, que j'ai acheté. Vas-y. Je l'ai pas vu, du coup, je peux pas mais le savoir. Mais si tu l'as vu. Oh, peut-être. Bon, bah. Donc, attends, t'as iPhone, donc du coup. Bah, non, mais tu as un demi-point. Je sais même pas. Toi, tu fais comme les questions au code. La réponse était ABC, moi j'ai juste mis AB, non j'ai faux, vas-y nique ta race. T'es en train de rager. Mais parce que ma question devait être un seul chiffre très précis. Tu t'es trompé, tu veux un demi-point. Parce que pour le fait que tu t'es rappelé que j'avais des répliques déjà, tu vois. Mais je sais que t'en as le snipe, c'est bon. Sûr que tu l'as et le PA, c'est sûr que tu l'as. J'ai pas le snipe. Vas-y. J'ai une M14. Ah merde. Tu vois, je te dis que tu t'es trompé. Là, tu sais quoi, tu vaux moins un point. Je suis changé de smiley, je mets ton smiley comme ça. J'ai mis un PA. Mais t'avais pas un snipe? Oui, mais ça fait longtemps que je l'ai vendu. Ah fuck. Ça fait plus d'un an. Mais j'étais pas présent toujours là. Mais si, ça fait plus d'un an. Putain. Bon. Question 6, les gars. Alors, combien de fois je me suis fait opérer? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, peut-être tu t'es fait opérer dans ta jeunesse, mais je suis pas au courant. Si, t'es au courant. Ah bon? Oui. Bah, je vais dire 2 dans le doute. C'était juste. Alors, je me suis fait opérer quand j'étais petit des végétations. Et je me suis fait opérer quand j'étais, quand on était en cours. Ça, je sais, ça. Quand on était en cours d'un kyste truco-coccygien, un kyste coccygien. 7e question. Dans quelle ville j'ai fait ma scolarité? C'est-à-dire... Ah ouais, non. Attends, c'est-à-dire... Là, je veux que tu me dises... C'est très simple. Je veux que tu me dises la petite, la petite école okay. Tu l'as fait dans telle ville. Ouais, la okay. maternelle, d'accord, tu l'as okay. fait... Ce qu'il y a, c'est que... en fait, on départage Chambéry, t'as vu, c'est en plusieurs parties. Tu vois, c'est Chambéry, ah, truc... Et c'est comme... C'est comme Annecy, Annecy-le-Vieux, Annecy-Centre, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Chambéry-Lo. Par exemple, c'est des exemples. Donc attends. Je vais te questionner, tu réponds. La maternelle. Ah, je suis Chambéry. Quelque chose. Ah si, tu peux pas me mettre ça. Chambéry, ah, si. Quelque chose. Chambéry, ah, le vieux. Si. Chambéry, Chambéry de l'Ouest. Nini, c'est Chambéry.
Chambéry, ça marche, vas-y, fais. Non, mais j'ai fait toute ma vie ici, donc c'est facile pour toi. Bah, Chambéry, le haut. Bah, non. Bah, voilà, mais tu vois. Bah, oui, mais je peux. Ça marche quand même. Mais c'est beaucoup trop facile sinon. Bah oui, mais même. Sinon, on habite à Lyon, à Paris, et je te dis où c'est que j'ai fait, où c'est que j'ai fait mon truc. Tu me dis Paris. Ouais, mais le 8e, le 12e, le 16e, le 14e, tu vois, c'est facile. Ouais, mais les autres, je vais être hyper précise, alors ça marche pas. Franchement, t'es pas cool. J'ai même fou. C'est facile. Il y a Chambéry centre-ville, Chambéry le vieux et Chambéry le haut. Bah Chambéry le haut. Chambéry, c'était le vieux, ouais. Wouh! Non, pour moi, j'en sais rien, c'est Chambéry, Chambéry, Lini. On va faire plus simple alors. Tout ce qui concerne l'école primaire, c'est. Chambéry! Waouh! Yes! C'est fou! T'as aidé? Non, mais non, je savais en fait. Mais je suis choqué. Mais tu sais trop de trucs. Ah, des fous, je te connais. Le collège. Le. Oh, le doute! J'ai fait au moins lycée. Au lycée Pravaz. Oh, oui, mais la Pravaz. Ah, c'est Pont de Beauvoisin. Ouais, salut Nordal. On t'aime pas. Je connais pas plus. Nordal Hollandais. Désolée. Mais t'es sérieuse? Je te jure. Ouais, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton esprit. Tant mieux. Ok. Bon, question 8. Ultra facile. Ah, et là j'ai faux. Ultra facile. Oh. Après, il faut que tu vas falloir que tu sois précise. Ma voiture de rêve. Alors, c'est une. Mais précise, hein. C'est une Nissan R34 Nismo. J'ai eu peur qu'elle dise pas le Nismo. Sérieux, t'as retrouvé ça? C'est incroyable. Oui. Putain, bien joué. Tu sais quoi, je vais te mettre deux smiley cœurs. Mon pays des rêves. Je mets tout de suite le cœur. Canada. Oh, Canada. En fait, je veux pas habiter là-bas, mais juste, je veux trop y aller, en fait. Non, mais... Mon premier jeu vidéo en ligne sur console. En gros, j'sais c'est pas, en gros quand j'ai eu une... Quoi? Call of Duty. Oui. Ça, c'est le jeu de tous les merdeux, là. Je te jure. Mon premier jeu vidéo en ligne, mais sur PC. Call of, non, je rigole. Sur PC, tout le monde y a joué. Je pense. Tous les gamins y ont joué. GTA. Non. Non, mais attends, vas-y, je sais pas. Dofus. Oh. J'ai pas du tout dire ça. J'avais un PC portable 10 pouces, tu sais, l'espèce de. Je sais plus comment on appelle ça, les notebooks. Tout petit, 10 pouces, le truc claqué au sol, il est plus petit qu'une tablette. Aujourd'hui, et j'étais là comme ça sur mon truc et je jouais à Dofus, mais c'était nul. Je suis désolé pour ceux qui kiffent Dofus, mais putain, c'est nul quoi. Question 12. À quel âge j'ai fait ma première vidéo? Bah, 14 ans. Non, faux. Bah, 15 ans. Pour l'instant, je te mets que t'as faux. 16 ans. Ouais, mais t'as faux. Bah, non, mais laisse-moi une chance. Bah, non, mais on a une chance. Bah, t'as une réponse, mais sinon, c'est facile. Tu vas faire tous les âges jusqu'à mon âge, tu as trouvé. 16 ans. J'avais 16 ans. Oh. J'avais 14. J'avais 16 ans, les gars. Quel travail j'ai fait? J'ai fait que deux. On s'en fout combien? Je te dis ce que c'était. Ah, ce que c'était? Bah, t'as fait de la maçonnerie. Ouais. Et opérateur salle blanche. Et maçonnerie. Bah, t'as fait. C'est vrai, t'as fait une chose? Je te mets un demi-point. Mais hors stage, t'as travaillé dans quoi? Je te mets un demi-point, t'es sérieuse? Vas-y, dis-moi. J'étais serveur. Ah, oh, putain, grave. Et ouais, j'étais serveur, c'est... les gars. Ah, c'est... La restauration, ouais. Serveur, enfin, un peu de tout, vraiment, la cuisine et tout, mais... En gros, restauration, courte paille sur autoroute. Voilà. Donc, en gros, ça fusait. Les clients, c'était H24. Et bon, voilà. Donc, du coup, tu te trompais, t'en as cité deux, j'en ai fait trois. J'avais oublié ça. Bah oui, je sais que t'avais oublié. Je sais, c'est pour ça que la question, j'y ai réfléchi. On arrive à la question 14. On est bientôt à la fin, hein. Ouais. Alors la question 14, ça tu le sais, il faut que tu te mettes dans ta tête. Cette phrase n'est pas... Ma toute première console, c'était quoi? Putain, c'est ton oncle en plus qui l'a offert, je sais. C'est ça? C'est pas ton oncle qui t'a acheté ta première console? Non. Ah non? Fuck. Tu mélanges tout en fait. Ah, je crois que je mélange tout. Là, tu mélanges les choses. Et bah c'est une Game Boy. C'est la Game Boy que...
Vas-y, crache. Ouais, la carrée, là, en long jaune, là. Ouais, elle était jaune, exactement. Ok, bah c'est la Game Boy Color. Eh, putain, attends. Anecdote, mes parents l'ont acheté. C'était ma toute première console. Mon cousin avait eu une Game Boy Advance et j'étais en mode waouh et tout, une Game Boy, je sais pas ce que c'était, tu vois, c'était un truc de fou et tout. Et en fait, je me suis dit, bah vas-y, moi aussi je veux un truc comme ça, tu vois. Mes parents ils m'achetaient des fausses Game Boy, c'était des trucs qui se faisaient à l'époque. T'achetais, ça coûtait genre quelques 10 euros, même pas 5 balles ou 10 balles, tu vois. C'est un truc où j'arrivais un jeu dessus, tu sais, c'est un truc préfet quoi. Il y avait un jeu, je jouais comme ça, c'était de la merde. Et quand j'ai vu que les Game Boy ça existait, on pouvait changer les jeux, je fais waouh, tout. J'ai vu une Game Boy Color quoi, tu vois. Et à l'époque, je crois que ça passait la pub où il y avait Pikachu et tout, tu vois. Et du coup, j'ai eu ma Game Boy Color, j'étais content. Et donc, ouais, pour l'anecdote, en fait, je l'ai eu uniquement parce qu'on partait en vacances. Et en fait, mes parents. Ouais, sinon, je l'aurais pas eu. On partait en vacances et mes parents, en gros, c'était en mode bah, style, je vais m'ennuyer pendant le trajet, je vais partir loin, tu vois. Ils ont pensé à tout. Ouais, et donc du coup ils m'ont pris une Game Boy Color, j'ai changé genre 2 ou 3 fois les piles pendant les vacances. Ah bah oui, par contre, oh putain, mais voilà, ça marche à pile. Ouais, je te jure. Mais voilà, après j'ai vraiment marrant, j'ai plus de piles, ils me disaient bah... mais non, mais non, c'est pas vrai, ils me changeaient mes piles. Combien j'ai eu de chiens avant Bonnie dans ma vie? Oh, c'est dur ça, hein. 3? Oui. D'accord. Merde. Eh ben je t'ai dit faux, il y en avait 4. C'est qui le quatrième? Bah c'était le premier en fait en l'occurrence. C'est qui? Le premier c'était quand j'étais petit, j'avais ouais 7 ans. Ah il s'appelle comment? C'était un Yorkshire. Il s'appelle? Théo. Et ouais, et après on l'a donné à ma grand-mère, c'était le chien de ma grand-mère. Après vous avez eu Léo. Après on a eu Léo, un berger allemand. Oh Théo, Léo, voilà. Mais c'est ça. Un Yorkshire en plus, qu'est-ce que tu... Mais j'étais petit. C'est chiant. Eh 700 balles hein. 700 balles, cette merde, hein! Putain! Mais bon, je me rappelle encore de ça, t'imagines? Et après, on a eu un croisé malinois, je sais pas trop quoi. Black, oui. Il était tout noir. Et après, Miley qui est encore en vie chez mes parents. Donc, 4 chiens. Chafaud. Putain, t'as de la mauvaise réponse là, hein. Putain. Ouais, non, mais c'est pas. Mais bon, je vais en avoir encore plus, moi, les gars. Hein. Excuse-moi, mais bon. Alors, cette question est plutôt. C'est pas facile, on va dire. Plutôt facile. Alors, mes baskets préférées jusqu'à actuellement. C'est-à-dire mes modèles de baskets préférées, les baskets que je préfère en fait actuellement, enfin, depuis longtemps et tout, tu vois. Des Nike? Mais non, mais je te dis que c'est une question facile et toi tu... Non, mais des... les Vans. Les Vans. Mais oui. Mais t'as toujours mis des Nike, mais je t'ai jamais mis avec des Vans à part l'ensemble. Quel Nike? Mais j'ai pas de Nike en plus, j'ai aucune chaussure Nike. Hein. Mais si, Nini. C'est d'Adidas. C'est d'Adidas ? Oui. Ah ouais. Et les autres aussi. Mais je m'en fous, j'ai juste. Bah oui, parce que je te l'accorde, mais à la base. Bah j'ai dit c'est Vans, c'est vrai, c'est Vans, pardon. Ouais, j'aime bien les Vans en fait, je sais pas, je trouve que. Mais ça même quand on a, en plus on s'est rencontrés au lycée, t'avais des Pumas là, les Pumas je sais pas quoi là, les bleus. Quel bleu ? Tu sais, les bleus nuit un peu. Des Pumas Suède. Voilà. Ouais, parce que je voulais changer des Vans un petit peu. Voilà, donc le mec il a et plusieurs. Mais moi faut c'est attention. Mais c'est mes chaussures préférées, j'ai pas. C'est pas parce que tu l'as dit préférées, tu dois. Tu me l'as jamais dit. Regarde, imagine. Imagine. Dit, j'aime ton plat. Ma chaussure préférée c'est les Vans. Mais bien sûr que si. Ton plat préféré je connais. Mais... Imagine que ton plat préféré c'est la pizza. Et bah tu as le droit de manger que de la pizza. C'est des merdes. Mais non. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai accordé le point quand même. C'est bah oui, parce que. C'est bien parce que t'as 20 erreurs déjà. Quoi? Hein? Sale con. Cette question là, si je réponds tu dois pas. tu dois donner 3 réponses. Oh. Mais 2, je t'accorde. Combien de chevaux mes voitures? Commence par la Sciator, c'est celle qui est actuellement présente, je t'en parle tout le temps. T'as le droit de te tromper à quelques chevaux. J'ai le droit de le dire en vidéo? Bien sûr. Combien de chevaux ma Sciator? 300. Mais pas du tout, on en a encore parlé tout à l'heure. Je sais pas, elle a 200... T'as encore 2 chances, hein, t'as encore 2 voitures pour se rattraper. 285. Bah fois. 285, c'est presque 300, excusez-moi. Tu peux m'accorder quelques décalages près. Je t'avais accordé 5 jours de différence, que généralement je dis 280. Encore tout à l'heure, je t'ai dit 280. Eh, y a un cap, hein, les gars. Vous comprenez. Vous comprenez. Mais quand t'as 285 chevaux, on est d'accord que t'en as pas 300 et t'es deg. Le P3, elle avait 174 chevaux. Absolument pas. 187. 187.
Je mets 187. Elle allait presque au 200 et tu as dit, et t'as fait, t'es passé au banc, t'as faisé combien? T'as fou, je suis désolé mais... T'es passé au banc, tu faisais, ça faisait combien? Quand je l'ai passé au banc d'origine. Oui. Elle est passée à, là tu vas me dire, oui, oui, oui. Ah, si, si, dépêche-toi. 184. Ah, pardon. Je vous avais dit, en plus j'ai dit 174. Mais allez, vas-y, à 10 près. Mais 10 près, déjà 5 près, c'est beaucoup. Mais... 184 chevaux, il oui, est passé bon, après avec les... J'étais dans avec les 100 les... et l'autre dans les 200, ça va. 150 chevaux, 200 chevaux. Bon, et puis bah la Civic, elle en a... 100. Bah décidément. 86. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit être ça. Mais à la base, elle en avait combien? 110. Oh, mais putain, mais laisse-moi, c'est tous les 10 en fait. 285, 200, 110. Voilà. Non, elle a 180, 184. Pas avec la ligne, tout ce que j'ai fait dessus, non. Ah, oh, mais bien sûr, ah bah, parce qu'il faut que je fasse, je tienne compte des changements qu'il y a sur les bagnoles. Ah, bah, parce que du coup, la S14, si on compte pas tous les changements, elle a 220 chevaux, quoi. Donc, du coup, non. Donc, t'as tort. Combien j'ai d'abonnés sur la chaîne? Sans tricher, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit à peu près 10, on verra. 217. 215. Je suis loin du compte. Tu vois, je me dis pas parce que c'est dur comme question. Est-ce que je suis loin du compte? Loin, non, parce que... Bah voilà, t'en as 219. Non, 225. Oh pardon. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, bah, je t'ai pas écouté. D'habitude, c'est moi qui check ses abonnés. Je l'ai dit, bah ouais, c'est pour ça. Pour ça que j'ai pas checké depuis un moment. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Bah j'ai pas checké depuis un moment. Ouais, parce que ça monte pas, les gars, abonnez-vous. Moi je monte sur TikTok. Abonnez-vous. Ah, putain, ah, grave, abonnez-vous, les gars. Même vos collègues, vous voyez. Mais moi, je vois que vous regardez les vidéos, etc., etc. J'ai des vidéos qui ont plus de vues que j'ai. Enfin, genre, j'ai des vidéos qui ont 4 fois plus de vues que j'ai d'abonnés. Je comprends pas, les gars, abonnez-vous, putain. Ou alors, arrêtez de faire des replays. Parce que moi, j'y crois. Question 19. Mon animé préféré. Je le sais. Bah oui, tu le sais. Je le sais, mais putain, je m'en rappelle plus du titre. Non, mais je sais, l'animé, c'est avec les voitures, mais... putain, attends, je vais te... Tu te tais, d'accord? Elle la regarde avec moi. Je l'ai sur le bout de la langue, en fait. Elle la regarde avec moi. D'ailleurs, on l'a pas fini. Ah, c'est avec Takumi, là. Ça, t'as retenu. Mais le nom de l'animé, t'as pas retenu. C'est... Putain, ils vont tous être là dans les commentaires. Mais c'était ça. Mais je le sais, faites pas les narvalos, là, je le sais. Mais là, il est là, là. Initial D. Tu sais comment je le sais? Parce qu'en fait, je revois, tu sais, en plein milieu de en Initial D. Initial D. Facile, très facile. C'est la dernière question, elle est facile. Elle est trop facile, parce qu'il fallait choisir une deuxième question, j'avais pas l'idée. Okay, okay. Mon plat préféré? Les lasagnes. Exactement, enfin, c'est à moi de répondre aux questions. Yes. Plus de temps, les amis. Ça fait. Attends. Ah, oui. Là, mais on se donne le résultat. Je te dis pas. Je compte pour moi. Ah. Ah ouais, quand même des mauvaises réponses, hein. Ah oh, non, je suis deg. Bon les gars, voilà, c'est terminé. Je suis actuellement sur le montage de la vidéo dans voilà sur l'écran assez immense. Voilà, faudra qu'on en parle un jour de ça parce que c'est incroyable. Donc voilà, j'ai l'impression que le focus va pas encore être fait. Si c'est bon. En fait, j'ai arrêté la vidéo là. Si vous voulez, normalement à la base, on devait faire nos 40 questions d'une traite sur une seule vidéo. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est extrêmement long. On est déjà à. Je sais même pas combien de temps. On est déjà à 23 minutes. 23 minutes 31 de vidéo. C'est ultra long. Mais donc du coup je préfère arrêter là, faire une deuxième partie avec juste ces questions et une première partie du coup avec juste mes questions et voilà. Donc là en attendant du coup je vous dis ciao, à la prochaine, ce sera la suite de ça parce que c'est quand même rigolo pour une fois de changer et de pas faire que des trucs de bagnole. Et voilà, bon c'était Igo les gars, ciao.